Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera le bilan de la troisième semaine. Désolée si vous entendez du bruit, par contre la fenêtre est ouverte parce qu'il fait hyper chaud. Voilà. Et du coup le remplissage pour la dernière semaine de juillet. Voilà. Donc du coup c'est parti, hein, comme on dit. Donc là, alimentation, il reste 10 euros et un petit peu de pièces. Voilà. Donc, les pièces, il y a 60 centimes, 65 centimes. 66, pardon. Donc voilà. Et cookie, on n'a pas utilisé. Donc du coup, bah, ça va aller dans son enveloppe pour le vétérinaire. Voilà. Parce qu'il ne veut pas manger de pâté. Donc, bah, quand on ne veut pas, bah, je n'en donne pas. Voilà, tout simplement. Hop. Comment on remet un petit peu de sous dans le vétérinaire? De toute façon, je pense que le mois prochain ou septembre, je vais devoir lui racheter ses croquettes. Voilà, on est en juillet. Plus 10 euros. Et donc on est à 10 euros. Donc ça pour le Filofax, c'est tout bon. Voilà. Et donc pour le remplissage, donc 20 euros dans alimentation. Et les derniers 10 euros, je vais les remettre quand même, même si je ne suis pas sûre de les utiliser. On verra bien. Donc, pour le budget du mois de août, du mois d'août, voilà, c'est mieux quand on fait la liaison quand même. Je ne sais pas du tout combien je vais avoir de paye, parce que, en fait, selon ça, soit je vais pouvoir mettre que de l'essence. Soit je pourrais mettre un peu dans l'alimentation, mais c'est pas sûr. Voilà, donc on verra. Aussi, je n'ai pas mis ça dans le classeur. Désolée, la vidéo est un peu décousue, mais je la fais un peu à la va-vite, honnêtement. J'ai pas le temps. Ça vous éblouit pas, j'espère, la lumière. Voilà, donc on a 10 euros. C'est quand même ça. Donc, semaine 3 plus 10 euros, et on est à 10 euros d'économie pour le moment, ce qui ne fait pas beaucoup du tout pour le mois, hein. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a un vlog qui est en préparation. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai mis ma boutique Etsy en pause pour l'instant. Honnêtement, j'ai pas le temps. Voilà, le camion est passé. J'ai pas du tout le temps, c'est pour ça que j'ai pris la décision de le mettre en pause pour l'instant. Et il y a pas mal de changements dans ma vie perso. Je vous en parlerai plus tard, je pense. Je pense que certains d'entre vous s'en doutent, vu que je parle de moi au masculin. Mais voilà. Donc j'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Je vous ferai une vidéo en conséquence quand j'aurai envie de vous en parler. Et moi je vous laisse pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez économisé cette semaine et ce mois-ci. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!